Je dis à nous, voyons coup de en dans gros plan de déportation de la trompe gagné. C'est un plan qui prévoit pour déporter entre 15 millions jusqu'à 20 millions de monde qui est illégal. En tout cas, c'est estimation. N'a pas pour ça fait longtemps depuis sous Obama, il a parlé de 11 millions de monde. Actuellement, on a parlé, il a estimé qu'il y a à peu près entre 15 à 20 millions de monde qui légal dans le pays. On nous regarde ensemble qui j'en bats la voile, nous voilà tant des tout anciens membres qui n'a équipe trompio puisque grand pilade qui a retourné pour tant que Miller qui c'est véritable mastermind en cause immigration et gain d'autres tout gain ancien boss en chef ICA et nous voilà regarder qui j'en faisabilité bah là. Et la vérité, exécuter une opération aussi large, comprenez bien, on a parlé de entre 15 à 20 millions de monde pour déporter. Ça a demandé pour vraiment yo étendre IC qui c'est Immigration and Customs Enforcement. C'est agence ça qui gagne un rôle exclusif pour déportation. Donc élargir veut dire faut effectivement ou t'as augmenté quantité officier qui au niveau de l'ICI. Ça, c'est un. Mais tout le monde a demandé en collaboration avec le département d'État et pour que le Congrès, on va parler de sénateurs et députés, pour qu'effectivement, nous t'a mis en pile l'argent dans le département ça a eu beaucoup plus de moyens. Comprenez bien, pour exécuter une pareille opération aussi massive côté que nous avons parlé près de 15 à 20 millions de monde. Et ancien officier qui t'a travaillé dans ici dit tant de Donald Trump dans déclaration qu'il fait mais ça vous dit. Ça m'a bien dit ça vous dit c'est l'évangile non. On va oublier depuis au monde capteur avec ton collaborer pas. Mais eux même ils dit bon même 20 millions de monde et en fait, ils parlent de 20 millions de monde, bon c'est son estimation. Vous comprenez? Et donc il dit que en fait on parlait de Tom Homan monsieur c'est ancien directeur ici lorsque Trump était là et il dit que agency a en parlant de ici il y a un système en place qui efficace qui très bon dans sa intérêt identifier moun yo alors il a identifié moun qui pas papier qui côté yo. Mais il a affirmé plus ou moins, il dit, rapidité à déportation, il peut dépendre de ressources que nous avons en main. Et c'est ça que nous avons souligné. Tandis que je vais souligner pour vous, parce que c'est une déclaration de Homan qui a joué le rôle directeur IC pendant Trump. Il dit, rapidité de toute bagarre de déportation, il peut dépendre de ressources que nous avons en main. Et il a avoué que, il y a une bonne bagarre qui peut dépendre du Congrès. C'est un responsable à mon boss, qui dit nous besoin plus officiers, nous besoin plus ça ou les detention bed, plus cabane, nous besoin plus sanitaires, les contrats pour transport. Parce que dans l'hypothèse, ça, nous allons gagner beaucoup plus de flight qui quitter le pays et nous allons gagner plus sanitaires, les remove sous frontière. Donc, je suis pas allé dans le pragmatique. Donc, de la sorte à comprendre. Vous pouvez comprendre que tout ça trompe Dieu dans une certaine mesure. À moins que Libral vini, la touye sa ou la démocratie et que la contourne, la fait comme si Congrès n'a pas existant. Parce que là, quand on parle de mouvement de déportation, vraiment, on a besoin plus de fonds. Et qui est-ce qui fait affectation de fonds? Il faut comprendre ça, n'a pas dire. Qui est-ce qui baille gouvernement COB, li pas l'autre que. Qui dit, mais tel cop qui parle tel côté, définitivement, le monde qui vote là, c'est le Congrès. S'il est vrai que la présidence, il a parlé de budget de l'État. Il a fait budget de l'État, le président, il doit venir, il a fait sa proposition, il a fait des propositions. Il a discuté avec des parlementaires, il a un compromis, il a fait un budget tout fait pour aboutir à un compromis, c'est-à-dire le budget de l'État. Ok? Donc, vraisemblablement, il n'y a pas envisagé un congrès côté que vous pourrez gagner
Donald Trump au pouvoir et puis comme t'as dit ça, la chambre sénat contrôlée par républicain et chambre député contrôlée par républicain. Et même lorsque c'est ça n'a fait analyse, vous avez un sénat républicain, chambre des républicains, pas oublier que l'on a parlé de budget dans le cas ça, il y a certaines difficultés, il y a des bagages pour faire passer tout, donc on a des compromis. Donc, et même avec nous, on a toujours d'autres républicains qui sont modérés, il y a des bagages qui ne doivent pas rentrer là-dedans. Ok? So, toujours d'après ton moment, on a parlé de l'ancien boss en chef, directeur, qui est capable de retourner, faut d'accord, au cas où tu as un éventuel trompe. Monsieur dit, faut nous d'accord que même lorsque nous avons intention de protéger le monde, mais faut nous toujours prioriser ça d'arrêter criminalité, sécurité nationale, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on prend des bagages qui prioritaire, n'est qu'à faire crime, gang, drogue, toutes les ressources, tu as supposé effectivement concentrer sur ba ça au lieu que pour aller dans déporter ces individus puisque c'est eux qui menacent immédiat, c'est eux qui sont dangereux pour le pays. Ok? Donc, ça, il a supposé. Imagine que tu as rentré dans un scénario. Imagine que tu as gagné un scénario côté que. Et l'autre facteur pour nous considérer, ce n'est pas seulement le Congrès qui sont en résistance par rapport avec le plan Biden. Mais nous pas oublier tout de côté. Et il y a un pile pays qui a droit refuser. Accepter mon yabwe bayo. Donc, c'est en fait problème ça peut-être au niveau du département d'État, au niveau de politique affaires étrangères, il y a bien pour yo connaître qui en résoudre très tellement. Et l'administration Trump-Lan doit dire que yo pas sanctionner pays ça, yo pas bayo visa, mais bon ensemble de pays justement qui a dit que même yo. Parce que on parle de 15 à 20 millions. Ok? Donc, il y a un bon pays qui va choisir de coopérer dans ce ça. Et nous ne pouvons pas mettre de côté tout. Ça a été Sanctuary City. Ok? Sanctuary City, des cities de la Californie et autres, qui habituellement eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de coopération. Les agents ICO débarquent la CAIO. Ils ne peuvent pas coopérer, ils sont en difficulté. Donc, maintenant, à ce moment de la durée, peut-être au niveau de state, ça va être une augmentation de l'opération ici. Donc, de larges opérations qui vont gagner, puisque state Sanctuary City, ça va pas collaborer. Et donc, c'est une façon pour dire que, effectivement, et Donald Trump est capable de toujours dire, mais ça peut gagner comme plan mass deportation. Mais, on a rappelé que, nous partons dans l'hypothèse que avec mon éventuel Donald Trump au pouvoir, nous avons toujours été dans un système démocratique. À moins que nous avons transformé les États-Unis en système dictatorial, côté que on gagne seulement exécutif, on gagne seulement président, et qu'on fait des faits. Ok? Mais autrement, il gagne en pile dans ça, M. Dio, qu'on prête que des promesses de campagne. Donc c'est ça pour nous comprendre. Mais comme ça, tout, il y a des gens qui font des choses à l'excès, qui font comprendre. Par exemple, il y a des gens qui viennent sur Biden, il y a des gens qui ont rendez-vous dans la côte. Je veux dire que dans le système démocratique, il le dit, ou illégal, mais il y a un processus. Donc parler de déportation, il faut que ça soit gagné un processus pour déporter. Il y a des gens qui ont un dossier pending devant George. Nous bien dire, il y a un dossier pending devant George. Il y a un droit, justement, dans le pays, tout autant que il y a un dossier pending. Généralement, les gens que Haïti automatiquement va prendre le déporté, c'est les gens côté que il n'y a pas de protection. Il n'y a pas de TPS qui protège. Et dernière décision pour déporter contre lui prend déjà. Il n'y a pas de dossier pending dans la pile. Donc, à ce moment de la durée, IC a publié son unité d'enforcement, avec une unité qui a pour exécuter l'ordre qui sortit de la part d'un juge. Ou juge pour une décision de déporter, ou même y a exécuté. Et c'est ça, vous comprenez? Son façon pour retirer doute des. Un peu de monde qui dit, ah, Vince Biden, y a un bon exemple de Biden. C'est l'hypothèse d'en faire
un monde Biden qui t'a très mal réfléchi, qui quitte 2 ans de rivé, il n'a pas papier dans le pays, et puis il trouve son gouvernement Trump. Bon, parce que j'aime bien dire, un monde Biden qui très mal réfléchi, il m'a dit tout le monde Biden, yo, ou pas qu'à dire, ou à tenter les 2 ans de rivé, ou j'ai compte ça à faire. Par contre, ça, on voulait faire, mais bien avant, il faut qu'on compte ça à faire, ou planifier. Bon, ça, c'est ça, c'est ça, fait pas, chaque jour, je m'en dis ça. Mais dans un monde comme ça, ou pas qu'on a dit, ou prendre un monde déporté, et pas comme ça, dit, un monde comme ça, statut fini, out of status, ou d'accord? À ce moment de la durée, ou capable d'initier une déportation pour lui. Et c'est simple de nous comprendre. Ou capable de faire une notice to appear qui donne ensemble. Et ça lié. Mais ou pas quand on dit, bon, le fait que out of status, qui veut dire que je suis illégal, ou est différent ensemble, il n'a pas dit automatiquement qu'on a arrêté de mettre un avion déporté. C'est ça. Maintenant, seulement, ça compte faire des fois, c'est des gens peut-être qui doivent arrêter. Et puis, on n'a pas assez informé. Ici, on n'a pas pu s'en pas connaître, côté qu'il retire les doigts pour le parler devant le juge. À ce moment-là, Dieu, ça n'a pas fait. Mais habituellement, un monde qui out of status, qui est illégal, pas automatiquement même côté reprendre ou déporter. Il y a un processus. Donc, nous avons que ça clair pour tout le monde. OK? Donc, voilà, nous devons mettre quelques points sur les i, sur masse opération déportation. Que Donald Trump a gagné comme projet dans l'éventualité. Quel est ta pouvoir?